te laisse faire. Tu vas dessous à gauche. Va dessous. Avance. Arrête-toi. Aïe, aïe. On va reprendre. Ah, c'est mieux là. Allez, encore. T'as léché un petit peu tôt. C'est pas grave, va peut-être. Ouais, c'est bon. Allez, plie un peu les coudes, rapproche un peu les bras du corps. Voilà, on va légèrement à droite vers la cible. Allez, on reste en appui ventral, on va passer le petit chemin. Et garde du frein, elle va passer devant. Et on la redirige un peu à droite, vas-y. Voilà, tu passes le petit ruisseau là, et puis, enfin, il n'y a pas d'eau dedans, mais. Et on freine tout, on s'arrête là. Un petit peu tard le freinage, mais c'est pas grave. Bon, c'était un premier, c'est pour s'échauffer, on remonte, là, on va faire un petit. Pour se mettre un peu plus haut dans la pente. Allez, on continue à emmener encore, lâche les avant. Regarde où tu veux aller. Regarde ta cible. Allez, baisse la main droite, lève la main gauche. Voilà, garde du frein, hein. Garde un peu de frein, plus de frein. Voilà. Plie un peu les coudes, rapproche un peu les bras, les mains des oreilles. Voilà, et là tu peux commencer à freiner à fond. Vas-y, tout en bas. Parfait. Ouais, très bien. Allez, regarde loin devant, regarde pas ta voile. Voilà, encore, lâche les armes. Voilà, un petit peu de frein, frein, encore. Voilà, bien. Tout doucement. Ah bah c'est déjà fait. Allez, on penche en avant, mets l'appui. Voilà, plie un peu les coudes, rapproche un peu les bras. Voilà. T'as vu comme d'un coup, quand tu plies, ça lui redonne de la vitesse. Voilà, on traverse ce petit chemin. Nickel, c'est vachement mieux. T'as les bras qui ont tendance de nouveau à s'écarter un peu du corps, mais je te le rebriefe quand t'es ici. Allez, on peut s'arrêter là, c'est cool. Ah, c'est beau ça comme gonflage, nickel. Allez, on regarde la cible. Hein. Allez, on penche avant, encore. Voilà, on continue encore. Hein. Ah, si ça vole pas, c'est pas grave, mais au moins on va vers la cible. Parce que ce que tu fais, c'est pas mal. Hein. Voilà, va dessous, voilà, ne résiste pas, s'il va à droite, tu vas à droite. Allez, on passe le petit chemin, garde du frein, trop tard. Allez, on va la reprendre tout doucement là. Je te laisse faire, hein. Là, c'est toi qui te fais confiance, écoute là, va dessous quand il faut, tu gères le tangage, tu te mets en appui quand tu le sens. Là, c'est mieux, hein. On aura un truc à corriger, mais je te le dirai en bas. Pour l'instant, c'est bien. On est prêt à remettre les jambes quand le sol arrive. Pour l'instant, laisse faire. Reste comme ça, à fond. Debout, on se met debout et on pose les pieds. Voilà. Je te laisse poser la voile. Là, le mouvement, il est bon puisque tu voles. Donc, on va oublier, on va retravailler. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la phase de gonflage. Il y en a un petit peu, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur la phase de gonflage et prise de vitesse. Par contre, dès que tu te retrouves en l'air, ton regard, il tombe en bas. Tu trouves que d'un coup, tu prends vite de la hauteur. En fait, tu ne prends pas de la hauteur, c'est simplement que tu voles. Et tu me plantes les freins. Si tu plantes les freins, la voile, elle, sur le moment même, elle remonte. Et après, il faut qu'elle aille rechercher de la vitesse, elle est obligée de plonger. C'est pour ça que je te dis, garde du frein et continue à freiner, alors que tu as déjà beaucoup de freins. Donc, quand la voile vole, laisse-la voler. Tu laisses les mains au même niveau et on freine juste quand le sol arrive. Okay ? Donc ça, on le fait plus parce que c'est quelque chose qui peut être dangereux. Là, ça allait, c'était relativement modéré, mais il ne faut plus le faire. Allez, on emmène encore. Regarde-moi devant, lâche les avant. Voilà, corrige à droite déjà, au frein, voilà. Allez, maintenant tu gardes du frein. Voilà, t'es limite de te passer devant. Allez, on va passer au travers du petit chemin là. Si ça vole pas, c'est pas grave, on continue à gérer le tangage. Voilà, garde du frein comme ça. Là, tu relèves un tout petit peu et là, tu reprends au frein là. Voilà. Et on va s'arrêter là, freine à fond. On va monter un petit peu comme ça, ça vole. On reste freiné à fond, arrête-toi, elle va retomber. Allez, on l'attend, attends, ah, encore, lâche les avant, un peu de frein à droite, va dessous, résiste pas, voilà, et maintenant on accélère vers la cible, voilà, ça c'est top, hein. J'ai bien aimé le recentrage là, vraiment, plie un peu les coudes, c'est rap, voilà, et grand pas, sans faire accélérer, c'est pas toi qui accélères, c'est elle qui décide ta vitesse, relève un peu la main droite, on va se mettre face au vent, regarde ta manchère, essaie de te mettre dans l'axe du vent avant de poser la voile. Allez, encore, vas-y, regarde toujours ta manchère, mets-toi dans l'axe du vent, c'est pas une cible, hein. Voilà. Et là, tu les freines des deux côtés. Nickel. C'était juste pour te faire un virage, mais où toi, tu devais choisir. Tu devais avoir un regard sur quelque chose et prendre ta décision. C'était ça l'idée. Mais c'est bien. Hein. Et surtout, la fin de ta montée de voile. Là, ça, le recentrage était vraiment top. Allez, en avant. Allez.
Voilà. Et là, tu peux aller vers la cible. Pas mal, ça. Garde un peu de frein comme ça. Garde du frein, garde du frein, garde du frein. Et on avance. Voilà. Si tu ralentis, il faut la freiner plus. Allez, regarde ta cible. On va lever la main droite. Levez la main droite, là. Voilà. Allez, c'est pas grave, arrête, voilà. Ah, c'est beau ça. Allez, on se décale, on la suit, garde un peu de frein. Il faut pas que. Voilà, si tu sens que tu cours vite, c'est qu'elle te double. Garde du frein, garde du frein. Et si le sol arrive, on repose. Non, non, doucement, doucement, relève les mains. Garde du frein, et on repose là-bas. Repose là-bas, baisse la main gauche, lève la main droite. Voilà, il va falloir qu'on travaille sérieusement sur le regard. Parce que si tu finis tout à fait à droite, c'est qu'à un moment, forcément, tu as perdu. Tu n'avais plus d'objectif en fait. Donc quand tu remontes, tranquille, celui-là, il y a pas mal à débriefer. En même temps, j'ai été surpris par ce que tu as fait, j'ai pas donné les bonnes consignes. Mais voilà, on va redébriefer ça. Voilà, détends tes bras. Allez, monte, lâche les avant, lâche les avant. Voilà, attends, on va s'arrêter là. Prends la droite et va dessous. Allez, on se ressemble dessous. Va dessous, voilà. Ouais, voilà, en tout cas, tu sais de quel côté c'est. Allez, grand pas maintenant. Allez, encore, 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 voilà. Si ça vole pas, c'est pas grave. Hein. Regarde, reste concentré sur ta cible. Voilà, c'est parfait. Garde du frein, garde du frein. Ah, ça vole un tout petit peu quand même. T'as une petite récompense. Allez, garde du frein, 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 frein. Tu vois, là, tu sens, elle, tu peux recommencer à courir vite, c'est qu'elle est en train de te doubler. Mais vachement mieux. Ouais, beaucoup mieux. Elle arrive, là, je vais avant. Du frein, 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 descend tes mains, voilà. Et on avance maintenant. Garde du frein, garde du frein, garde du frein. Saute pas vers le haut, ça sert à rien. Garde du frein, garde du frein, garde du frein. Voilà. Saute pas vers le haut, on continue d'avancer. Avance encore. Relève un petit peu tes mains et on avance encore. Voilà. Et là, tu vas chercher plutôt que de faire des pas vers le haut à t'appuyer sur ta ventrale comme je t'ai montré. Allez, on va s'arrêter là. Tu peux tout freiner et avancer doucement. Nickel. Allez, on va lâcher l'avant. Un peu de frein. Frein, frein, descend les mains. Voilà. Regarde où tu veux aller. Garde un peu de frein comme ça. Garde du frein, garde du frein. Ah, trop tard. Pas grave. On va s'arrêter là. Voilà, mieux là, lâche les avant, un peu de frein, et on peut avancer maintenant, voilà. Allez, on va vers la cible, garde un peu de frein comme ça, et on avance. Essaye de te pencher un petit peu sur ta ventrale. Tu vas voir, elle te porte déjà la voile. Voilà, garde un peu de frein comme ça, et on va la reposer quand tu arrives à la cible. Voilà, baisse les mains, va un peu dessous à droite. Hop, tac, parfait. Belle. Ta montée de voile, elle est vraiment bien. Hein. Allez, maintenant, on fait des grands pas. Encore, 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 encore. Voilà, laisse voler. Voilà, décontracte, plie les bras. On va vers la cible. Pour l'instant, t'as rien à faire. Voilà, on regarde loin devant. On se décontracte. Commence à freiner. Et à fond, juste avant que le sol arrive. T'es pas tout à fait symétrique dans le freinage. T'as la main droite qui descend un peu plus que la main gauche. Arrête-toi de courir. Si tu t'arrêtes pas de courir, tu vas jusqu'en bas, là. Voilà. Mais bien mieux là déjà, beaucoup plus décontracté et tout, c'est cool. Monte, lâche les avant, un peu de frein, 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 voilà. Et là, tu peux avancer toi. On va relever un petit peu la main gauche pour l'emmener vers la cible. Doucement, voilà, garde un peu de frein comme ça. Garde le frein, garde le frein, garde le frein. Voilà, ouais, on peut pas les remonter les mains. On va passer le chemin, remonte à la droite, là vers la cible. Voilà. Encore un peu. Voilà, essaye là de t'appuyer, en fait, même sur place, ça marche. T'appuies sur ta ventrale, tu vas voir qu'elle veut bien te porter la voile. Voilà, et tu vas redresser tes coudes vers le haut. Ouais, c'est mieux. Tu en vas par là. Arrête-toi là. Voilà, ça va tout, ça va tomber. Va dessous à gauche. Va dessous un peu, si tu vois, je t'emmène à gauche. Voilà, un peu de frein, un peu de frein quand même, voilà. Et encore, 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 encore. Encore, encore, encore. Voilà. Relève ta main droite, on va aller à gauche. Voilà. On passe le chemin. Relève là cette main droite. Voilà. Là, ça tourne. Voilà. Freine tout. On va s'arrêter là. Et il y a plus d'appui. Va dessous à gauche. Elle te tire à gauche, va dessous. Va dessous, va dessous. Ouais. Un petit peu tard, c'est pas grave. Je t'expliquerai en haut. Allez, on mène encore, encore, va dessous à gauche, lâche les avant.
Et là, on se met en appui et on fait des grands pas pour aller chercher le décollage. Voilà, c'est bien, c'est mieux, tes freins bougent plus, c'est cool. On va relever un peu la main droite, baisser la main gauche et aller vers, voilà, vers les arbres, vers la sapinière là. Voilà, top, regarde ta cible toujours, mais tu vas pas dessus. Et on revient à droite vers la cible. Allez, on fait presque faire un demi-tour vers les maisons. Allez, encore à droite, encore à droite, encore, encore, encore. Top, tout droit comme ça, on efface souvent. Commence à freiner, attends, attends, et à fond. À fond, à fond, et tu cours. C'est bien ça. Et c'est propre, tu as une très bonne écoute déjà. Ça, c'est agréable parce que c'est réconfortant pour moi. Et puis, tu es doux, c'est construit, on sait où tu vas. On en refait un autre, mais c'est vraiment bien là. Hein. Allez, 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 encore, 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 encore. Lâche les avant. Mets-la bien dans la pente. Voilà, et on se met en appui maintenant. Grand pas, fais des plus grands pas. Va chercher plus devant encore les pas. Encore, 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 encore. Là, regarde où tu veux aller. Lève la main droite, baisse la main gauche. Regarde où tu veux aller. Voilà. Encore à gauche. Baisse encore la main. Voilà. Rapproche un peu les bras du corps. Plie les coudes et rapproche les bras du corps. Voilà. Allez, encore à gauche. Encore à gauche. Top, on regarde à droite, mais on va pas à droite. Allez, top, un peu à droite pour se remettre face. Ah, je te voyais plus haut. Je suis désolé. La voile est plus grande que... que celle de Michael, et j'ai dû faire une petite erreur à ce niveau-là. Quand tu vois le sol arriver, si je te le dis pas, c'est que c'est moi qui ai fait une connerie. Donc, t'attends pas d'avoir les pieds au sol pour te dire que j'ai oublié de te dire de freiner. T'as le droit. J'ai laissé faire, hein, mais de manière informelle, ça va pas le faire. Ah, tu fais... Attends. Là, t'as fait tout ce que tu faisais pas avant. On regarde loin devant, voilà, elle est parfaite là. Encore, encore, lâche les avant. Allez, on reste en appui et on fait des grands pas. Encore, 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 regarde loin. Encore, encore, remets les pieds. Remets-la dans la pente légèrement à droite, voilà. Plie un peu les coudes, voilà. Décontracte et on part un peu à droite. À droite, l'autre droite. Celle où il y a le pouce à gauche. L'autre côté, à droite. Vers les arbres, à droite. Jean-Loup, à droite, vers les arbres. Allez, encore, 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 encore à droite. Et tu reviens à gauche maintenant. Voilà, on regarde la cible, encore à gauche, t'as de la chance, le vent est carrément perpendiculaire, encore à gauche, encore à gauche, encore à gauche, encore à gauche, top, top, voilà, légèrement à droite, commence à freiner, et à fond, voilà, ah, il faut, j'utiliserai si tu veux plus les repères, si t'as du mal, mais là t'étais dans ton plan de vol à toi, je pense, on en reparle quand t'es en haut, mais je pense que t'étais pas forcément à l'écoute de ce que je disais. C'est pas un reproche, hein, c'est pas un reproche, mais il faudra changer quand même. Ouais, mieux. Tu l'as pris un tout petit peu trop vite au frein, mais c'est pas grave. Elle est encore un peu derrière. Voilà, là, on recourt. Voilà, tout de suite un peu à gauche. Allez. Allez, encore à gauche. Voilà, top, pas plus. Regarde ta cible. Allez, on se dirige vers la droite. Allez, à droite, commence à freiner quand cela arrive. Et à fond, t'es joueur là. Hein. Voilà, là je peux... Quand t'as le sol qui arrive comme ça, tu vois, imagine que t'es 10 cm plus bas. Bah là t'es à pleine vitesse et tu tapes sur le retour du chemin. Avec les fesses, bon il y a un mousse-bag, mais ça marche pas toujours aussi bien qu'on pense. Hein. Donc si tu vois le sol arriver, toujours d'abord tu mets les pieds. Le reste c'est plutôt pas mal. Voilà, elle arrive là chez avant, un peu de frein. Voilà, mieux là. Allez, vers l'avant encore, 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 encore. On n'arrête pas de courir, garde du frein comme ça, tout droit comme ça. Regarde la cible et on court. Voilà, relève la main droite avant d'aller vers la cible, toi. Voilà, il faut lui demander d'abord. Et nickel, tu peux t'arrêter là. Va dessous, elle t'emmène à gauche, tu vas dessous. Tu vas dessous encore. Prenez à droite en même temps et voilà. Voilà, on mène encore, lâche les avant, un peu de frein. Un contact avec la voile et on y va, des grands pas. Fais les plus grands pas. Va sans sauter sur ta ventrale. Allez, tu es prêt. Voilà, garde le frein comme ça. On va relever la main droite pour aller vers la cible. Mets-la en virage à gauche. Relève la main droite. Voilà. Ouais, c'est un petit peu violent sur tes recentrages en balle. Allez. On continue à l'emmener, c'est bien. Lâche, on la remet dans la pente d'abord. Mets-la à droite dans la pente. Va dessous à gauche. Va dessous à gauche. Résiste pas. Voilà. Allez, et maintenant on peut y aller. Voilà, on regarde la cible. Pour l'instant, t'es pas haut, donc on va tout droit.
Voilà, un petit peu à droite vers la cible. Vas-y, n'aie pas peur, descends la main, là, tourne pas là. Descends la main à droite, descends la main à droite. Bah, encore, encore, allez, voilà, top, tout droit. Commence à freiner. Commence à freiner. Reste comme ça, attends, reviens un petit peu à gauche. Commence à freiner, reviens à gauche. Jean-Loup à gauche, voilà, là, commence à freiner et à fond. Ah, voilà, attends, ça remonte, attends. Encore à gauche. Voilà. Reste freiné. Voilà, et reste freiné. Tu as vraiment un temps relativement long entre ce que je te demande et ce que tu fais. Mais ce qui est plus gênant, c'est que tu fais pas forcément ce que je te demande. Donc on en reparle quand tu es là. Voilà, viens vers moi. Tac, un peu de frein. Là, c'est d'avant. Voilà. Et maintenant, on remet la voile. Attends, avant d'accélérer, on remet la voile à droite. Relève ta main gauche. Voilà. Garde un peu de frein. Garde du frein comme ça. Ah, tu peux pas les retenir. Ah, garde du frein comme ça. Allez, on va passer le chemin. Relève ta main droite. Relève la main droite. Voilà. Pas de tout à droite. Et ramène-la après. Voilà, lâche. Et là maintenant, tu peux te mettre en appui. Garde du frein à gauche. Voilà, relève un petit tout doucement quand on vole, pas avant. Ah, c'est la masse d'air qui est un peu moisie, toi. Continue, reste à droite de la pente là. Reste, voilà, droit vers la cible. Un peu de frein s'il se l'arrive, hein. Voilà, on n'oublie pas qu'on garde du frein. Voilà, on n'oublie pas qu'on met les jambes d'abord et on met du frein quand le sol arrive. Tu peux tourner légèrement à gauche, voilà. Et le frein. Ah ouais. C'est dommage, chaque fois tu oublies de sortir un peu les jambes. On en parlait tout à l'heure, hein, t'es un peu assis dans la sellette. C'est pas le cas de tout le monde, donc toi, c'est bien, c'est cool, t'es assis, mais par contre, faut pas oublier de se remettre debout. Là, pour tous les deux, hein, la masse d'air, elle est quand même pas facile, donc on va remonter, mais moins haut. Qu'on soit plus près du sol, parce que là je vais attendre de voir comment ça évolue. Voilà, attends là, lâche les avant, un peu de frein quand même, et on court en avant, grand pas, tout droit comme ça. Recours s'il faut. Et on recourt, et là il va falloir freiner avant que le sol arrive. Voilà, c'est bien. Frein. Là, c'est l'aérologie qui l'a fait te doubler, mais je pense que tu l'as senti, t'as vu, elle voulait aller devant. Ah non. On se permettrait pas. Voilà, attends là, elle monte, parfait, tu te recentres, et là tu gères le tangage. Allez, grand pas. Voilà, encore. Tu refuses un petit peu la pente, toi, tu fais petit pas, tu t'engages pas les épaules devant toi. Allez, on reste debout, à toi là, à toi là. Allez, passe le petit chemin du coup. Et on va relever un peu la main droite. On va aller sur la. Voilà. Ah, c'est moi qui te fais relever la main droite en plus. Sur la fin, c'était. On oublie, c'est pas grave. Par contre, sur la prise de vitesse, tu vois, dès que tu commences. On voit que tu veux charger la voile. Mais essaye de faire des grands pas en mettant les épaules devant le bassin. Il doit être vraiment en déséquilibre avant. Vas-y, profite, hein. Mais c'est bien là, t'as bien récupéré. Tu fais tout seul, hein. Donc,
On a comme repère la cible. Regarde ta cible, tu la regardes pas là. Voilà. C'est toi qui fais le freinage final aussi, hein. Ah, ça finira par descendre. Garde un peu de frein comme ça. Attends, je vais t'aider, ça bouge un peu. Commence à freiner. Reste comme ça. Et attends, un peu à gauche, à fond. À gauche, à fond. Voilà, faut se remettre face. Ouais. C'est un peu zarbi là. Bien. Nickel. J'attends, elle arrive, la fait d'avant, un peu de frein. Voilà. Voilà, fais des pas vers l'avant, ça ventrale. On va vers la cible. Voilà, tu peux t'appuyer dessus là, tu vois. Par contre, tes bras, ils sont nouveau à l'envers. Ouais, on avance sur la ventrale en lui redonnant de la vitesse. Remets tes bras, remets tes coudes à l'endroit. On va y arriver. Ouais, il faudra qu'on arrive à travailler ça le prochain coup, je marquerai. Parce que là, en fait, tout du long, t'as de nouveau un petit peu trop de frein qui est à cause de ta position de bras. Tu vois, le reste, c'est carrément mieux. Allez, lâche. Allez, grand, reste comme ça en avant là. Là, c'est bien là. Ça me plaît. Bah voilà, on recourt s'il faut. Ça volera pas vraiment, donc garde le contact avec le sol, garde du frein. Allez, on passe le petit chemin. Relève les mains. Voilà, freine à droite, va dessous à gauche et on refreine des deux côtés. On s'arrête là. Mieux la course, beaucoup mieux. Bon, après, les conditions ne sont pas franchement avec toi en bas, hein, donc on oublie la petite fermeture derrière. Puis on va rejoindre Guéna là-bas.